cooking, kissing. When I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some love tonight, just let me know. Salut les cops, salut, comment ça va? Enfin bref, nous allons faire les magasins. Enfin bref, vous aimez pas mes cheveux? T'as des soucis, mon pauvre. Ah, c'est ce qu'elle fait. J'ai 12,79 de moyenne. Il a des soucis, chouchou. Il n'est pas tout seul, moi je vous le dis. Non, je vais vous raconter ma petite vie là. On dit alors ce qu'on va faire, t'es. Alors, aujourd'hui, enfin bref, vous voyez. On va où, chouchou? Alors. Oh non, là, ne t'arrête de me donner, ça suffit. Oui, je disais, enfin bref. Non, on va à Kiabi. Et Kiabi. Oui, on va à Kiko. À Kiko. Ouh, à Kiko. Je vais m'acheter plein de maquillages. J'ai reçu une carte cadeau, faut bien que je l'utilise. Mm-hmm. Enfin aussi. Bref, après on va aller à la halle. Voilà, enfin bref, quoi. Petit, couché. C'est vrai en plus. Et après, c'est tout. Ouais, c'est tout. Oh punaise, il m'a fait rire aussi ce matin. Puis ce matin, tu fais que me faire pleurer de rire, chouchou. C'est que je t'aime encore. C'est bon signe. Ouais. Eh merde, Eddy. Morpion. Tu m'aimes, chouchou? Non. Quel menteur. Il dit non, mais je sais que c'est oui. T'es, on passe chez Tata. On passe devant chez Tata, klaxonne, chouchou. Ouais. Elle est contente. Elle en faut peu. Et Fidji, chut. Couché. Merci d'avoir fait le travail. Ah ouais? Ah oui, j'ai déjà vu le camion de Gilles, c'est pas toi? Gilles, ouais. Oui, ouais, on est ensemble. On va faire les enrobés là. Ouais. Oh! Écoutez-la chanter celle-ci là. Ouais, chante. Vas-y, refais. Vas-y, refais Léa. Non! Allez Léa! Ouais! Allez, vas-y Léa! Mais non, j'ai pas envie! Bouba! 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 Allez Léa! Mais vas-y, chante-nous un petit refrain! Bouba! 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 Allez, chante! Oh, t'es trop. Ouh! Il y a un peu au concert! Tu dis où alors ce matin j'ai mis la raclée? Ouais, je t'ai laissé faire! Oui, bien sûr. Oui. Ah, on faisait la maline dans l'aéroport, maintenant on fait plus rien. C'est ça. Dans l'aéroport? Oui, Bouba et Karis, ils se sont battus dans l'aéroport. Hein? Ça date, hein, mais. Un coup de parfum. Un coup de parfum. Dans une parfumerie, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez, vas-y. On t'écoute. On te soutient. Rien. Quoique, il risque. On attend de la neige, alors ça serait pas mal que tu chantes pas trop. Bon, du coup, ce matin, on va à Kiabi parce qu'il faut rhabiller les petits. Après, on va aller du coup dans la galerie commerciale. Ça y est, elle écoute. Écoutez là, elle chante là, elle s'arrête plus celle-ci. C'est bon, j'ai bien chanté. Bah oui, bah chante. Chante, hein. On attend que ça, on n'arrête pas de te crier. On est en train de saigner des oreilles, mais c'est bon. On saigne des oreilles. C'est vrai. En plus. On rigole bien avec la loutre. Arrête. Ça va me démonétiser, même si je suis pas monétisée. Ça commence, venez chanter sur mon frère. Concerto pour trois voix. Oh, c'est pas vrai. Mon copain. Elle a un copain, Léa. Elle a dit qu'elle avait un copain, Chouchou, t'as entendu? Ouais. Là, j'ai poussé, elle va tomber. Tu verras tous les mecs avec qui je parle. Ouais, fais gaffe quand même, Camille. J'ai cru qu'elle allait sortir un truc, juste style. Tu verras tous les mecs avec qui je suis sorti là. Je suis pas mon premier, mon gars. 12 ans, rebelle, Bouba, je vous dis. Bah, il est poteau, c'est la vie, là. Bon, du coup, on s'en va. Je dis quoi? À Kiabi, Claire, Kiko, c'est tout. Bah, juste à Kiabi, surtout parce qu'il faut habiller les enfants. Ouais, parce que moi là, il y a tout qui m'a trop petit en fin de temps. En fin de temps. T'as qu'à arrêter de grandir aussi, hein. Pas de notre faute si tu grandis. Il y a des mêmes pantalons, mais c'est du 46. Ça, c'est pas vrai en plus, c'est du 40. Et en plus, le chat, il lui va. Le chat? Le chat. T'as payé deux chats? En plus de ça, chat, oui. Il y a Skyrock? Non, il n'y a pas Skyrock. Skyrock, il n'y a pas Skyrock ici. Si, il y a, mais. Non, y a pas Skyrock. Si, ah, mais non, c'est la voiture de Chouchou, il n'y a pas Skyrock. Chouchou, il écoute RTL2. Ou alors, il écoute Chérie FM. Ça, c'est pour. Énergie. Ouh, it's number
C'est presque ça, c'est bien. C'est ça. Tu vois de la neige toi? Ah ouais. Ah ouais, je la vois. Mais c'est très léger. Il neige. Ça va jamais tenir, mais il neige. Tu vois les petits flocons? Si tu te concentres bien sur un endroit, tu vas voir les flocons. Mais très léger. Si tu te concentres sur un endroit, je réussis à le voir. C'est très très léger. Ouais. Bon, du coup, Kiabi c'est fait, H&M c'est fait. Obeyed. H&M c'est fait, puisque j'ai dit Kiko c'est fait. Claire, on a été voir vite fait, mais on n'a rien trouvé. Et là, du coup, on rentre, on va manger. Sauf que moi, je ne sais plus où me mettre. Ouais, ça va. Je vous reprends dans ma chambre. Je suis même pas certaine de vous avoir dit bonjour comme il faut, donc bonjour. Oh, faut que j'aille changer ma batterie. J'ai des problèmes de batterie en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est à chaque fois, à chaque fois en rade. Je vais aller la changer de suite. Oh, voilà, avec de la batterie, c'est beaucoup mieux. Je vous allume, mais c'est juste histoire de pour moi par rapport à ce que je viens de, ce que je vais tester. Donc on est allé, on a fait pas mal de petits achats ce matin. Ah, je crois que c'était les crayons noirs que j'avais, mais non, c'est l'ombre de ma frange. On a fait quelques achats du coup ce matin, parce qu'on s'est rendu compte que Nolan, ses affaires étaient vraiment, enfin ça fait longtemps qu'on dit que Nolan a les pantalons trop petits et tout ça. Et comme j'ai eu des cartes cadeaux Kiko pour mon anniversaire, bah clairement fallait que moi je la dépense. Mais qu'en plus de ça, on trouve des trucs pour du coup pour Nolan, pour les, enfin pour Léa, enfin bref, on est tous, ils étaient un petit peu à court au niveau des vêtements. Du coup, on a fait un petit tour à Kiabi, H&M, Kiko, Claire's. Je crois que c'est tout ce qu'on a fait. Kiko, bah, donc on s'est fait le plaisir avec Léa parce qu'on avait chacune une carte cadeau. Elle, qu'elle a une qu'elle avait reçue à Noël et moi une que j'ai reçue à mon anniversaire. Et après on a fait H&M pour Léa pour les fringues et Kiabi pour Nolan pour les fringues. Donc pour chez Kiko, je vais vous montrer un petit, je vais vous faire un petit haul parce que clairement tout ce que fringues, Léa je vais pas spécialement vous montrer, mais pour Nolan je vais vous montrer parce que c'est quand même des trucs qu'on voit, que vous allez voir souvent je pense à la maison. Donc je me suis pris 1, 2, 3, 6 produits chez Kiko, tac, donc un fameux pinceau. Je me demande pourquoi je l'ai pris puisque finalement j'ai dû reposer la base et la bébé crème, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres, enfin c'est pas grave. J'ai pris déjà pour commencer un pinceau, un comme ça, parce que j'en avais plus. Enfin le dernier que j'ai, je m'en suis servi pour... j'arrive pas à l'enlever le papier. Je m'en suis servi pour mes masques et du coup après maintenant j'apprécie plus. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Je vais être obligée d'arracher ça tellement c'est collé. C'est normal que ce soit collé ça? Ah ça y est. Tac. Donc c'était un pinceau fond de teint hein, tout simplement. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais un à mes débuts de maquillage de pinceau comme ça. Et puis ben, finalement après j'ai arrêté d'en prendre. J'aime pas trop la... Je le pensais un peu plus doux. Ah non c'est bon, ça va. C'est moi qui étais... Bref, je me suis pris un pinceau comme ça du coup pour... fond de teint, bébé crème, bref, tout ce que vous voulez. J'ai pris aussi un crayon colle. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci, je vais dire que la vendeuse était pas mal, elle était assez douée. Du coup j'ai un peu craqué. Et j'ai pris celui-ci, je sais pas ceux vers lesquels je penche le plus habituellement. Mais là j'ai craqué, je sais pas, je saurais pas vous dire. J'ai pris un crayon tout basique qui se rétracte, voilà. Noir. Sur sa peau ça faisait hyper bien, donc je l'ai gardé. Et ici il y a un petit taille crayon là, voilà, donc je me suis dit bon, prends, parce que de toute façon les crayons noirs j'en ai tout le temps besoin puisque je fais que ça quasiment sur mes yeux, donc autant vous dire que ben ça c'était un petit peu l'indispensable, je serais pas partie sans un crayon noir de toute façon. Donc ça c'est bon, après j'ai pris pareil un mascara, ça c'est la base, hein. Moi je mets crayon noir, mascara, le reste j'y touche pas. Hop, donc ça c'est celui-ci, ça c'est un basique elle m'a dit. J'ai pris le volume attraction, pardon, classique volume mascara, il est je dirais un peu marron, marronné un petit peu au niveau de l'emballage.
Et moi j'aime bien ce type de brosse là. Comme ça, les brosses. J'allais dire les anciennes brosses, mais non, mais enfin bref quoi. Pas les petits picots plastiques là, je supporte pas. Et voilà, donc ça c'est pour ça. Ensuite, je suis en train de tout poser au fur et à mesure juste devant. J'ai pris un sérum parce que l'emballage m'a bien plu. C'est con. Hein. Elle m'a dit que c'était un au gingembre. Bon, j'ai aussi beaucoup écouté ce que me disait la vendeuse. Donc c'est un au gingembre qui du coup booste un petit peu l'éclat du visage. Et donc le voilà au niveau du packaging. Il est comme ceci. Je sais pas pourquoi il y a marqué charge, bien sûr qu'on sait que ça c'est la pipette pour charger. Hop. Et voilà, il est tout petit, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve ça trop mignon. J'aime beaucoup cet effet pipette là, j'adore. Les sérums, j'adore, j'en raffole. Et après j'ai pris un baume à lèvres et une huile pour les lèvres. C'est un petit pack comme ça de la nouvelle collection, si j'ai bien compris. Léa a pris les mêmes, je crois. Hop. Ça c'est le petit baume, je l'ai pris juste parce qu'il était beau, il était magnifique. L'emballage. Je suis pas spécialement fan de l'emballage, enfin c'est pas forcément un truc qui m'attirerait de base, mais ce qui m'a attiré, c'est ça. Regardez-moi ça. C'est la première fois que j'ai quelque chose comme ça aussi brillant. Et j'ai craqué, complètement craqué. C'est quelque chose qui est transparent en plus sur les lèvres. Vous voyez quasiment rien, je sais pas si vous allez voir quelque chose, vous voyez là, juste là. Attendez, j'essaie d'en remettre. Voilà, on voit à peine. Le focus se fait pas forcément sur ma main, mais vous voyez, on voit à peine. Mais c'est juste parce qu'il y avait des petits grains comme ça dorés, dorés brillants, pailletés un peu, que je l'ai pris. Donc ça, voilà, pour ça. Tac. C'est pas forcément l'emballage qui m'a plu, mais bon, c'est joli quand même. Et ça, c'est une huile, du coup, pareil, qui est très transparente. Enfin, qui fait transparente. Pourtant, elle fait pas du tout transparente. Puis ça, c'est un truc en verre. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est transparent. Et là, bah, l'huile, c'est pareil. L'emballage par contre j'aime bien, celui-ci je l'aime bien, le packaging je l'aime bien. Hop, et ça c'est pareil, ça fait tout blanc. Enfin tout blanc, tout transparent quoi. Et comme j'ai la bouche un petit peu abîmée. Oh, en plus il sent bon. Je les ai sentis aussi en magasin. La vendeuse elle nous a laissé les sentir. Elle nous a dit qu'ils sentaient trop bon. Et c'est vrai que il sent bon. On dirait un truc au sucre. C'est trop bon. Celui-ci, je vais pas le mettre de suite parce que oh, je l'aime trop. Il est trop beau. Enfin, j'aime trop vraiment juste parce qu'il est beau. Au niveau de l'aspect. Il est vraiment magnifique. Et ça, ben, c'est un petit peu la chose que je regrette. Enfin, en fait, disons que je l'ai pris parce que j'avais à la base... Je sais pas, je me suis surestimée au niveau de la carte cadeau. J'avais une 50aine d'euros, je crois. Et comme je savais qu'il y avait toujours deux achetés, un offert, je m'étais dit, bon, ça va aller. 50 euros, c'est... ça va le faire. Et en fait j'avais pris du coup une base et une bébé crème. Et en fait j'étais au dessus des 50 euros. J'avais pas spécialement envie de rajouter parce qu'on venait de faire des achats pour Nolan et tout ça. Donc j'ai reposé en fait. Quand j'étais au dessus de 50 euros, je reposais. Donc j'ai posé juste une base et une bébé crème. Et du coup j'ai gardé le pinceau. Mais j'aurais clairement pu le poser puisque finalement j'ai rien pris pour mettre des bases. Même si j'ai déjà des bébé crèmes et des trucs, des fonds de teint. En fait je l'ai pris surtout pour me dire essayer de remettre un petit peu de fond de teint, d'unifier un petit peu ton teint. Donc on verra si je le fais ou pas. Mais en tout cas voilà, je suis hyper contente de mes petits achats en règle générale. Voilà, ça faisait longtemps que j'ai pas fait des achats chez Kiku. Voilà, je suis trop contente. Donc ça fait partie des cadeaux du coup d'anniversaire finalement que mon petit chéri m'aura offert. Voilà, ma foi je suis trop contente. En ce qui concerne le haul du coup Kiabi. Donc je vous ferai un haul vraiment particulier parce que je pense que ça peut intéresser les gens qui vont chez Akiabi voir ce qui se passe aussi. Sachant que je vous montrerai que des achats qui ont été faits pour mon fils. Et j'ai tout pris en 8 ans pour lui. J'ai pris des pantalons, des pulls, des t-shirts, des boxers, j'ai pris des chaussons. Et je crois que j'ai pris, voilà c'est tout quoi. Mais on en a pris une bonne quantité. Et du coup je passerai tout dans un haul comme ça. Si vraiment vous voulez un truc vraiment spécial Kiabi, vous aurez tout dans le haul. Voilà, plutôt que mélanger au vlog et que ça dure une éternité, j'ai préféré faire comme ça. Voilà, donc je vais aller ranger tout ça dans ma petite trousse, juste là. Hop. J'ai plus de place. Hop. Ça c'est que des trucs que j'utilise très souvent. Hop, je trouve que c'est un petit peu mal rangé.
Voilà, voilà. Donc, du coup, ce matin, on a fait ça. On a mangé à droite à gauche aussi. On est rentré du coup pour se poser un petit peu. Chouchou, on avait très très marre aussi de faire les boutiques. Il a fait des achats pour Nolan, pour Léa, pour Mathis, parce qu'on avait aussi Mathis avec nous ce matin, pour moi, et il s'est rien pris pour lui. Et à chaque fois c'est comme ça, quand on va faire les achats, Chouchou c'est toujours le dernier, ou alors celui qui a besoin de rien, et qui au final, à qui il manque plein de choses, mais Chouchou il se contente vraiment d'un rien. Donc pour tous ceux qui disaient encore il n'y a pas si longtemps que ça, il pense qu'à lui, etc., il est très égoïste, franchement, là on vient, je sais pas combien d'argent on a dépensé, mais on a dépensé une bonne quantité et clairement c'était que des achats pour les enfants ou pour moi et absolument rien pour Chouchou, même pas une paire de chaussettes pour Chouchou, donc pour vous dire. Voilà, bref, c'était juste un petit détail. Je vais aller mettre ça à la poubelle, faire un peu de montage. Du coup cet après-midi on va aller chez mes beaux-parents, apparemment j'ai des cadeaux d'anniversaire qui m'attendent là-bas, on verra bien. On va se faire une petite galette histoire de fêter ça. Et on devra sûrement faire quelques petits achats de courses, mais ça je vais essayer de me débrouiller avec Chouchou pour y aller plutôt en semaine, parce que la semaine prochaine c'est une semaine où je suis de matin, de soir pardon, donc je suis le matin tranquille toute seule. Donc j'essaierai de faire ça tranquille, posé, de profiter un peu de mon week-end sans autre course que ça. Bon voilà, du coup cet après-midi on va chez papy mamie, ce soir si je peux j'essaie de faire le haul et après ça va être un peu plus tranquille, mais c'est vrai que ce matin on a vraiment beaucoup bougé. Je sais pas si j'ai réussi à faire des belles prises. Mais on a pas mal rigolé dans la voiture, donc faut savoir que c'est tout le temps comme ça dans la voiture, mais que d'habitude je sors pas la caméra parce que voilà, j'y pense pas. Et là, je me fais tellement rire à m'imiter que j'étais obligée de garder la caméra ouverte. Et puis après, on est parti dans des délires tout seul. Bref, je vais mettre ça à la poubelle, je vais faire du montage et on se retrouve plus tard. Bon, allez, je vais vendre le junkie. Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Oui, je vais fermer la porte, mais d'abord je vais aller voir Nono. Je vais voir si elle est bien mise en pyjama. T'es en pige, mon petit chat? Oui. T'as mis ce pyjama? Je trouve pas l'autre. Ah ben, on l'a rangé. Moi, et ça, là, c'est normal? Ouais. Alors, dépêche-toi, pose ça vite. Et range ça vite. Maman. Montre-moi. Fais comme ça. Et fais vite, ouais. Fais encore plus vite, doublement plus vite. Il vient de lui acheter des chaussons, il a pas de chaussons aux pieds comme par hasard. C'est un des rares enfants à avoir 36 paires de chaussons, à avoir toujours les claquettes aux pieds ou alors pas de chaussons, tout simplement. Je vous jure. Ah là là. Bon du coup le haul, donc on l'a passé toute l'après-midi chez papy mamie. J'ai même pas pensé à filmer parce que j'étais à fond dans mon téléphone en train de regarder des photos, j'ai posté pas mal de petites choses sur Instagram. J'ai participé un peu, j'étais un petit peu avec eux pendant la belote. Et j'adore mes cils là, ils sont trop beaux. Enfin, dans l'écran ça fait bizarre, enfin, ça fait beau. On a bu du cidre, on a mangé la galette et voilà. J'étais hyper gâtée cette année, je crois que c'est une des années où je suis... En fait j'ai l'impression que tous les ans c'est encore plus que l'année d'avant. Bref. On va manger de la soupe au vermicelle ce soir parce qu'on a clairement on a fait que manger. Enfin, on a mangé hyper tard le midi. On a mangé le goûter, donc on s'est mangé un gâteau. Et clairement, là, ce soir, on n'a pas spécialement faim. Donc, on va faire de la poule au vermicelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça tous en famille. Et clairement, après, on va se vaguer chacun à nos occupations comme on fait d'habitude. Et je ferai pas le haul de Kiabi, je le ferai pas ce soir. Bon, je pense que je le ferai demain matin parce que j'ai pas franchement la motivation, j'ai aussi du montage à faire et tout. Et puis là je me suis mis Grey's Anatomy sur mon téléphone et avec mon enceinte du coup que j'ai eu pour mon anniversaire. Et clairement je vais mettre ça dans la cuisine le temps que ça chauffe, que ça réchauffe puisque ça va être que de l'eau et un bouillon. Et après c'est tout, je vais juste regarder ma petite série et après c'est tout. Voilà, Léa est dans sa chambre, Nono est dans sa chambre, Chouchou est dans son canapé, et moi je suis dans mon petit espace de vie de féminine. Il faut aussi que je m'épile les jambes. J'ai envie de prendre un petit peu soin de moi aujourd'hui. Je sais pas si c'est le fait d'être allée à chez Kiko ou j'en sais rien, mais ouais. J'ai envie de refaire un petit masque, un petit gommage, tout ça. Et comme j'ai pas pris tout ça, mais que j'en ai encore plein, parce que je les fais pas souvent, j'en fais quand même assez rarement. Attends, j'en faisais plus souvent, même avant que je sois avec Chouchou. J'en faisais tout le temps, enfin dès que je pouvais j'en faisais.
Je pense que j'étais beaucoup plus féminine avant que je sois avec Chouchou. Maintenant, c'est le côté pratique, c'est aussi parce que je suis devenue maman. Hein. J'ai rencontré Chouchou, Nolan avait peut-être 9 mois, donc clairement, j'avais plus de temps pour moi, on va dire. Maintenant, j'ai sacrifié, enfin sacrifié, un grand mot. Hein. J'ai plus beaucoup, autant de temps que j'en avais avant quand j'avais pas Nolan, donc toute cette partie-là, c'est parti un peu aux oubliettes. Et avant, c'est vrai que j'en faisais beaucoup plus, je me maquillais beaucoup plus, j'étais beaucoup plus féminine, je portais plus de talons, etc. Là, c'est un peu... ça revient, mais tout doucement, et c'est vraiment sur certaines périodes. C'est pas tout le temps. Bref, tout ça pour vous sortir mon petit blabla. Je vais me mettre ce petit truc-là. Je vais essayer. J'ai testé l'autre dans l'huile tout à l'heure. J'ai encore la bouche un peu sèche. Donc l'huile, c'est bien. Mais je vais essayer celui-ci. Et puis, peut-être qu'après, je me ferai des petits masques ce soir. Clairement 10h moins le quart et j'ai fait aucun soin. C'est pas grave, on attendra demain. On attendra demain pour se faire ces petits soins. J'ai fait un montage de vlog, j'ai tout, je suis à jour. Chouchou est parti se coucher, mais je crois qu'il est dans la chambre de sa fille. Il est en train de sûrement faire des câlins et tout ça, tout ça. Donc là, il est dans sa chambre, il bidouille un peu ses cartes Pokémon, je crois. Il est en train de réparer un truc aussi. Et voilà. Je viens de créer un compte Twitch et je pense faire du live dessus. Enfin, je vais voir. Soit du live sur Twitch, soit du live sur YouTube, je vais voir comment ça se goupille. Et voilà. Je vais pas tarder à aller me coucher. Donc je vais clôturer ce vlog, il n'était pas non plus hyper long, je vous ai pas montré beaucoup de choses. Mais rien que le début ça changeait et c'était pas mal je trouve. Donc voilà, demain sera un autre jour, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. À la prochaine.